ce n'est pas très pratique une église sans toi. Alors, on a pensé qu'il était bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a levé des fonds pour une bâtisse en Haïti il y a un moment, ça fait quand même assez longtemps, mais le groupe qu'on voulait soutenir, qui devait aller avec Pasteur Mautière, finalement, ça n'a pas fonctionné, cet argent dort toujours dans nos comptes. Donc nous voulons juste changer de désignation, donc transférer cet argent pour le toit de l'église. Si vous êtes d'accord avec cela, dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. Donc à l'unanimité, nous allons transférer ce montant à l'église du pasteur Mautière en Haïti. Amen. Vous pouvez battre vos mains pour vous. Alléluia. Maintenant, nous avons un autre rapport missionnaire à donner. Qui se rappelle du frère Gauthier? Est très occupé au Congo. Il est allé, il m'a envoyé, attendez, je dois trouver le rapport. Donc le frère Gauthier a été envoyé par le missionnaire Gistoff. Il a été envoyé dans une ville qui s'appelle la ville de Vindoulou. Ça, c'est à 10 km de Pointe-Noire. Les gens du Congo, à Brazzaville, peuvent se rappeler de ces... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la ville de Vindoulou, ici? Ouais. Vindoulou, au Congo. Frère Achille, tu connais? Non. Alléluia. Ah, du Congo Brazzaville. Tu connais Vindoulou? Ok. C'est à 10 km de Pointe-Noire. Et il a été envoyé là-bas pour une semaine d'enseignement. Et il a fait une semaine à Vindoulou. Il a fait des études publiques. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Il y a eu 12 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Et il y a eu 29 personnes remplies du Saint-Esprit. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Le frère Gauthier est en train de faire un travail extraordinaire. Il va être avec nous à Lubumbashi dans 2 semaines. Frère Marc, je vais te donner son contact parce que si tu peux l'accueillir à Kinshasa et le mettre dans l'avion pour Lubumbashi, il va traverser le fleuve et on va parler de cela, rappelle-moi, parce qu'il faut... non seulement, je veux juste dire, d'habitude je ne dis pas, mais je veux juste dire, mais non seulement il va venir à Lubumbashi avec nous, il est au Congo quand même, il est en Afrique, hein, il n'est pas ici. Il a fait un don à la mission du Congo de Lubumbashi, fait un don de $700 jusqu'à présent. Il a aidé quelqu'un à venir à Lubumbashi avec lui. Tout simplement extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Maintenant, parlant du voyage à Lubumbashi, tout se déroule très bien. Mais nous avons juste un défi. Au fait, nous avons deux défis.
que nous espérons que le Seigneur va résoudre. Il y en a un que je voudrais que vous priez pour, c'est pour le visa du pasteur Timothy Wisnet. Il doit obtenir, il ne peut obtenir son visa ici, où on a des contacts, il doit l'obtenir à Washington. Si vous avez des contacts à l'ambassade du Congo à Washington, aidez-nous à lui faire émettre ce visa. Pour le moment, c'est un peu difficile pour les Américains d'avoir un visa congolais. Mais si vous connaissez quelqu'un à l'ambassade du Congo à Washington, venez me voir après le service. Aidez-nous à faire que ce visa soit relâché dans le nom de Jésus-Christ. Et l'autre défi, c'est un défi financier. Il y a le pasteur Pablo qui veut venir avec nous, mais on n'a pas encore son billet. J'ai vérifié encore les billets hier soir. Les billets sont encore à 1 730 $. Si quelqu'un peut nous aider d'une quelconque façon à le mettre dans cet avion, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez penser que il n'a pas besoin d'être là, mais moi je sais que j'ai besoin de lui là-bas. Il va être une aide extraordinaire, même si le pasteur Timothy Wisnet vient, j'ai besoin du pasteur Pablo pour Peuples Institute, pour les enseignements et pour la traduction, parce que s'il ne vient pas, ça va être un peu extra chargé. Et je sais qu'on a un groupe de jeunes qui vient, mais ils sont déjà bookés presque tous pour des études bibliques presque chaque jour partout dans la ville de Lubumbashi. J'ai besoin du frère Pablo. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, 2 000 $ que vous ne savez pas quoi faire avec, aidez le pasteur Pablo à venir à Lubumbashi, et ça va beaucoup nous aider. Je sais que l'église de Trois-Rivières va aussi lever des fonds pour lui, mais nous ne voulons pas juste laisser l'église de Trois-Rivières nous donner les pions là-dessus. Nous voulons aussi faire quelque chose. Amen. Alléluia. Voilà. Et si vous voulez l'aider, utilisez toujours une enveloppe. Écrivez juste frère Pablo dessus. Et on saura que c'est pour son billet d'avion. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il n'y a que le frère Cédric qui croit, mais le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est très bon. On va se lever tous ensemble. On va aller vers le Seigneur en prière. Avec